Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous annoncer que cette vidéo sera la dernière à, à avoir des lags, de gros lags en tout cas, car j'ai trouvé les paramètres qui vont maintenant pour les prochains épisodes. Du coup, c'est la dernière où il y aura des gros lags dans la vidéo, vraiment, où c'est presque, c'est encore supportable, mais pas plus. Donc dès la prochaine vidéo, promis, les tests ont été faits et un résultat concluant. Donc, et bel et bien, dès la prochaine vidéo, il n'y aura plus de gros lags, peut-être des petits qui peuvent arriver que je peux rien faire contre, mais les gros ont été corrigés et du coup, ainsi que la qualité vidéo et pour le son, normalement, c'est déjà réglé dans cette vidéo. Donc voilà. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et puis bonne écoute. Bonjour à tous et voilà, bienvenue pour l'épisode numéro 4 de l'exploitation allemande. Donc aujourd'hui, ben, on va finir le travail qu'on a fait dans le dernier épisode. Donc comme j'ai dit, j'ai fané le champ hors vidéo, puis j'ai fini de faucher sur la gauche. Alors on fait les andes rapidement. Mais bien. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. D'ailleurs, j'ai pas réglé le problème pour la faucheuse, mais j'ai, oui, ben, en se disant, j'ai réglé, j'ai acheté une autre, ça va mieux. Et j'ai pris sur le simple, celui qui va que un côté pour l'arrière, et là je suis pas embêté, donc ça va bien. Faucher comme ça maintenant. Faire un petit tuyau intérieur. Je pense à enlever la tâche avant. Voilà. Donc voilà, alors on va presser en balle carrée comme on avait la presse. Je n'ai pas installé le DLC qu'une sur celui-là, il n'est pas sur la partie. Pour des raisons simples que mes copains n'ont pas le DLC et du coup comme je l'ai évoqué de se faire sur la première vidéo si je ne me trompe pas je ne peux pas faire utiliser les mods qu'il y a là-dessus donc j'aurais pu prendre la presse qu'il y a là-dessus et puis faire les enrubanner ou bien la faneuse par exemple. Donc voilà, j'espère que ça ne bousille pas. Voilà, ça va bien. Et du coup, bah, j'aurais bien voulu prendre la faneuse 4 sur la 8 toupies. Mais puisque je ne l'ai pas, j'ai remarqué. Ça ne me servait à rien, du coup, j'ai fait avec la 6. Autrement, ça fait trop gros. L'autre, ça fait trop gros. Je ne sais pas combien c'est une 12 mètres. J'ai vu 2-3 vidéos, enfin vidéo, les retours des vidéos, ça vous a plu en tout cas. L'onde est un peu haut peut-être. Ouais. Bon les vues sont pas exceptionnelles, mais ça va venir à la longue. Bien sûr que je débute sur YouTube, n'hésitez pas à faire partager ma chaîne. Pour qu'on soit encore plus de gens. Et n'hésitez pas à liker et à abonner. À vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Plus il y a d'abonnés, plus je fais de vidéos, hein. Enfin, plus ça motive. Je vais arrêter cette fois comme ça, on est tranquille. Donc voilà.
J'ai pas enlevé la tâche, je l'ai désactivée, mais hein. Donc j'espère que la vidéo ne laguera pas trop, mais j'ai vu que la dernière, ça bug un petit peu. Bon, la dernière, c'était un peu, j'ai eu des problèmes. C'est un mode qui me fait bugger. Il y avait aussi de l'ombre, je sais pas où, là, à droite de l'écran. Je sais pas pourquoi. Maintenant, j'ai corrigé, j'ai pu régler mon micro déjà. J'espère que ça ira. Et voilà. Et ben, il grimpe. Je vous ai pas montré l'ensemble. Je suis avec le case international XL 1455. Et puis à côté, ben, j'ai le case CVX Puma avec la presse New Holland. Ça, je me suis dit aujourd'hui, on va rouler avec du case. Je ramassais les bottes en hors vidéo, je pense. En off. C'est plus simple. Et puis dans le prochain épisode. On ira nourrir nos vaches, mes vaches. J'ai déjà commencé pour pas qu'elles crèvent de faim, ben je les ai achetées. Je fais un petit peu. Mais là, je continue, je fais les foins pour avoir l'herbe et tout. Faut que j'aille chercher la citerne à eau. Et tout, ben on fera ça tout dans le prochain épisode. Et puis après, peut-être je ferai ça en off, on verra. On va faire aussi du travail de sol, on va passer le cultiver et puis semer. Merde, j'allume trop vite. Et on verra bien ce qu'on fera dans les prochains épisodes. Je sais pas si je vais faire une cinquantaine d'épisodes là-dessus, on verra. Peut-être y aura une autre map qui vous plaît. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse des présentations de mode, des présentations de map. Comme ça, je peux m'organiser et puis prévoir ça une fois. Ça pourrait être sympa. Et puis bien sûr, sur Eurotruck, ben, les vidéos vont continuer. Aujourd'hui, ben, il n'y aura pas la vidéo Eurotruck. Parce que j'avais pas envie de tourner la vidéo Eurotruck. J'avais pas envie. Et pour ça, on va vite déplacer le CVX. Vas-y, voilà. On va presser après, on va faire là. Je fauche encore un autre champ. Par contre, j'espère que. Ah oui, c'est ouf. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème, enfin, j'ai pas remarqué. Quand je fais avec le fanner, quand je mets pour faire les bords, bah ça me fane directement. C'est pour ça qu'il y a un bout où c'est fané. C'est pas du tout prévu. Là, on fait les bords comme avant. Celui-là, il est très petit. Pour ça que j'en ai fait un autre avec qui est pas fané. Comme ça, j'ai de l'herbe. Comme ça, ça comptera. Ça compte ici comme herbe, tout simple, et pas dans foin. Tout ce qui est fané, c'est foin. Et en silage. Et là, je vais faire l'aliment concentré aussi, bien sûr. On va s'occuper bien. On verra combien de temps ça durera. L'épisode pour qu'on ait du fumier, qu'on puisse faire un dépôt de fumier hein, et du truc qui sont cool à faire, que beaucoup de youtubeurs ont fait. Ça pourrait être sympa. On voit déjà nos vaches. Fait demi-tour.
J'écoute, je sais pas comment je vais faire les endroits, mais on verra. Donc ça va bien. Peut-être. Il y va, mon tracteur. Et par contre, là, c'est emmerdant quand on a des triangles à la fin. Toujours un peu embêtant. On sait pas comment s'y prendre pour les andins pour pas que ça nous embête. Et on va relier. Et voilà un crouillandin. Pas si je remonte depuis là. Ouais. Ah, c'est pas moi qui ai coupé les arbres, si jamais. On va mettre les warnings, on va arrêter le moteur, puis on va aller presser rapidement. Donc, comme dit, on est avec le CVX 170, non 200. Et puis avec la New Holland, la presse New Holland. On déplie. Il y a un peu que ça joue quelque chose. Puis on presse. Bon, il en chie un peu, mais ça devrait aller. Normalement, pas de problème. Ça sort bien. Ça sort rien encore. Bon, ça va. Si des questions ou des propositions de vidéos à faire, d'activités à faire, n'hésitez pas à commenter. Et j'y répondrai, bien sûr, je réponds toujours. J'espère que ça prend tout. On va voir ça tout de suite, ouais. C'est bon. Des fois, on regarde un peu derrière, mais c'est pas évident. Peu à côté, on voit qu'il est large, pick-up. C'est fou, le temps file, on est déjà plus de 12 minutes. Thank you.
Ah non, c'est tout minute. Et c'est bien en tout cas ça. Quand je vais vite vider ces deux-là, parce que décharger presse Z. Que ça, on mélange pas trop. En fait, ah non, ça prend pas. Ah, mais si j'ai baissé le pick-up, ça va pas le prendre. Ça va mieux là. Ah, mais oui, mais par contre, voilà, ouais, ça fout un peu le bordel, on va dire. Fait des bottes semi-machin, pourquoi? Mais ça prend tout, je suis étonné. J'aurais une botte avec les deux. Le tracteur, il a la peine en haut. Maintenant, ça fait des bonnes bottes. Je me disais ce que c'était. Est-ce qu'on va arriver à tourner correctement? Voilà. Encore fait le dernier, puis ça sera la vidéo sera terminée. D'ailleurs, dites-moi dans la vidéo, dans les commentaires de la vidéo, si le format vidéo vous plaît, donc c'est-à-dire pardon, j'ai une botte pas de la bonne couleur. Bon, bref, si le temps de vidéo vous plaît. Comme ça fait pas trop longtemps, 15-20 minutes. Donc voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai une idée. Donc voilà, puis bien, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.